C'est quoi cette route? Et sans s'y ouvrir. Je préfère monter à pied. On va jamais y arriver, j'en ai marre. Waouh. Bah c'est beau, hein. Ça c'est quoi? Maman Angry qui nous a envoyé ici. Si toi aussi tu souhaites faire ce voyage, j'ai créé un guide pratique qui contient toutes les informations que j'aurais aimé avoir avant mon départ. Tu peux le retrouver dans la barre d'infos. Les chutes de la Lufulakari, cet endroit magnifique est recommandé partout sur les réseaux sociaux comme le lieu à visiter absolument, tellement il est magnifique. Je suis sûre que je suis pas la seule à me demander, mais comment fait-on pour y aller? Dans cette vidéo, j'ai fait toutes les erreurs possibles pour que tu n'aies pas à les faire et pour que ton voyage se passe mieux que le mien. Car tu vas vite le découvrir, rien ne s'est passé comme prévu. Hey Moniga, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va aller aux chutes de la Lufulakari, il est à peu près 10h30, on va démarrer normalement à 11h, mais je sens que ça va pas se passer comme je l'avais prévu, mais c'est pas grave. Là, je prends mon petit déjeuner. Aujourd'hui va être une longue journée. Je parle le lari, une langue qui est parlée dans le sud de Brazzaville. On est en route. La route va être longue, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah oui, aujourd'hui je suis avec plein de gens. Je suis pas habillée en noir comme d'habitude. Enfin bref, on est à Mafuta. Bon, une astuce pour toujours savoir où vous êtes, c'est juste de regarder les boutiques en fait. Vous allez toujours voir un truc genre quincaillerie de Mafuta. Moi, c'est comme ça que j'arrive à me repérer si je connais pas un quartier. Voilà, au moins vous avez appris quelque chose. Et je vous reprends un peu plus tard parce que là, on est encore dans Brazzaville. Là, on vient de passer le premier péage et c'est à 1000 francs. En tout cas, la route est bonne pour l'instant. Ne soyons pas pessimistes, mais pour l'instant, ça va. Il n'y a pas le net. Mais c'est quoi ça? Google is back. Regardez le Nsamba, genre dans les dames Jeanne. On est en route et je m'ennuie. J'ai faim. Il faut prévoir vraiment la nourriture. C'est quoi au menu? Des sandwichs. Merci. Je trouvais que ce pain est joli. On va faire avec les moyens du bord. J'ai vu. Il y a beaucoup de nourriture. Emmenez un truc à manger. Emmenez aussi votre carotte. Et il n'y a rien sur la route à part les connus. À Brazzaville, on nous avait quand même donné quelques informations. Chercher le village Kimpanzu et de ne pas prendre la direction de Kinkala. C'est pas là, hein, merci. La rive est à Zonzaka. Comment on appelle les habitants de Kinkala? Les bolistes. Non. Tout le monde, en fait, la route est trop petite. Vous voyez là? Ça, c'est ma main, ça, c'est la route. Ça, c'est la main de. Lufulakari. Hey, Monica! C'est trop beau
ici, j'adore. Allons-y. Partez à quel genre de fouille au carré? À la chute. À la chute. Vous êtes encore un peu loin. D'accord. Roulez un peu. Merci. On tombe sur quelqu'un qui nous envoie dans la mauvaise direction. On roule pendant quelques heures sans rien voir sur la route jusqu'à tomber sur une station d'essence qui malheureusement n'avait pas de carburant. Donc on profite pour leur demander si on était dans la bonne direction. Ok. Voilà. Foucault, dès que vous arrivez à Foucault, vous prenez la déviation. Mais Foucault, ça a combien de kilomètres d'ici? C'est 11. T'as salé l'eau, vous votez, hein? Donc on fait demi-tour. Mais c'est pas facile sans GPS aussi. On amorce notre descente vers les chutes de la Loufoulakari et on se rend compte qu'il y a tellement de poussière qu'on est obligé de mettre la climatisation. Et donc on augmente la consommation de notre carburant. Je vous avoue que là je commence à m'inquiéter. On est au milieu de nulle part et je comprends pas, c'est quoi cette route? Bon bah là on a fait quand même une pause pour demander si on est sur la bonne voie. Continue tout loin. Et vous connaissez le meilleur snack du bled? Les arachides comme ça là, bien sautés. Avec la banane, mon frère. C'est le packaging spécial. Vous avez vu comment on a fait ça? Les gens n'arrêtent pas de nous dire que c'est encore loin, 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 loin. J'ai mal à la tête, genre. Je préfère monter à pied. C'est dur. Ah, la voiture est passée. Comment tu trouves ta première fois avec Moninga? Trop d'aventure, hein? C'est pas des histoires, non, je vais à Mamie Waka. C'est trop fatigué. Tu regrettes? Je regrette un peu. J'aime ton honnêteté. C'est juste que je vois l'heure et l'heure qu'on va revenir. Ah oui? Je sais même pas, il nous reste combien de temps pour arriver là-bas. Ma soeur, tu as raison. Voilà. Et 15 heures. Quel drôle. Essence, il hein? Et Moninga, là, on s'est arrêté dans un village parce que bientôt on n'aura plus d'essence. On a pris un petit peu d'essence. On n'a toujours pas trouvé Kimpanzu. Je pense que cette nuit, je vais rêver Kimpanzu tellement j'ai entendu ça aujourd'hui. Les gens qui vendent le carburant dans les bidons comme ça, on les appelle les Kadhafi au Congo. Ils prennent souvent le monopole pendant les pénuries de carburant et vendent le litre beaucoup plus cher que dans une station d'essence. On va jamais y arriver, j'en ai marre. Non mais aussi on sait. Il est beauté. Tous les arrêts là aussi, c'est comme un Sanson. Tonnerre, je sais pas comment. Non, ça c'est Kimpanzu. Arrête de là-bas. On arrive enfin à Kimpanzu et là, la chance nous sourit enfin. On rencontre le guide du site qui nous accompagne et qui nous raconte l'histoire de ce magnifique endroit. D'ailleurs, vous allez le découvrir dans quelques minutes. Si vous regardez encore jusqu'ici, prenez le temps quand même de me laisser un énorme like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour. L'espoir commence à revenir. Découvert la chute. C'est ici qu'on a découvert le drapeau vert jaune rouge. C'est un drapeau spirituel et significatif. Notre premier président congolais, c'est Philibert Youlou. Une révélation était tombée par Philibert Youlou avant qu'il soit président de la République. Pour aller à Loufoukari, il y aura un homme qui va te recevoir après la prière. Et l'arc-en-ciel qui apparaît, on lui a dit, tu seras élu en une voix. Et l'État, il a organisé les élections. C'est Youlou qui est élu en une voix. C'est ici, son temple. Il venait faire la prière. Mais non,
là je suis contente. Je suis plus en colère. Dengeni ni voyage. Ah, ouais, j'ai l'équipe comme la eu à la commune, la CPL. Eh, ah, tu il tombe en vrai. Le sourire est revenu. Il pleut. Attention. On a quitté la Loufoulakari à 18h38 et là on a pris la route recommandée par le guide. On va voir combien de temps ça prend. Même repartir c'est une aventure. J'ai juste hâte de voir le goudron quoi. Je trouve ça quand même flippant la nuit. Ah oh, Seigneur, protège-nous seulement. Ah oh, maman Nagai qui nous a envoyé ici. Non, toi tu es un chauffeur. Ça nous a même énervés tous. Aïe. Notre pan. Même les plus jeunes. Ce serait ouais, rapide. On est ligo. Tu m'as pas ligo aussi. Ah, mais oui, mais bon. 21h et toujours rien. Il y a tellement de monde ici. Tanganda. Le goudron. Il y a des pancartes. Ah, le goudron. On est sorti. Ah ça. On est un gangalingolo. 22h19 et on est enfin sur le chemin de Brazzaville. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec les témoignages des autres participants. Bye Moninga. Hey Panani, bonjour ma télé. Je suis Dalia. Je dirais aussi de gens de venir visiter la chute, elle est bonne. Et je dirais plus d'encouragement à Tam Vlog, de nous donner encore plus d'inspiration. Le trajet était bon. Mais à la fin, quand tu vois ceci, on peut oublier tout ce qu'on a vu. Hein, pour laquelle je suis content. J'aimerais bien encore rentrer chez moi. Vraiment. Découvrir le pouvoir avec Tam Vlog, c'est bien. Bonjour. Hey. Le trajet c'était lent, vraiment c'était compliqué. Mais on s'est même perdu, donc on était tous vraiment énervés. Mais une fois arrivés sur place, je vous jure que si ça nous a plu. Mais je suis vraiment très très contente, vous voyez non? Et je t'encourage ma soeur, vraiment continue. On est fiers de toi ma soeur. Ouais. We'll be right back.